Non, tout ce que tu dis maintenant, tu le dis en français. Même les gros mots. D'accord. Yeah. Oh. Je médite que je crève si près du port. Allez, courage. Ils ont l'air d'avoir un pépin. Vous avez crevé, on peut vous aider? Bonjour. Vous avez une roue de secours? Bonjour. Oui, mais elle a crevé aussi. Je fais de propre pour la cérémonie. Bon, allez, on va dépanner Viking. Que l'un de vous prenne la roue de secours, on ira la porter chez Fernand et en insistant un peu, il vous fera ça tout de suite. En ce temps-là, vous démontez la roue et après, nous irons tous ensemble à la cérémonie. Oh, d'accord? C'est gentil, merci. Merci. Adélaïde? Adélaïde, reine de Curland, tu y es? Ça me dit quelque chose. Eh bien, elle est née à Avignon. En 1792. Mais oui, tu sais bien. Mais la Curland, ça me dit quelque chose quand même. La Sicile du Nord. Oui, je sais, c'est une île de la mer du Nord. Oh, la fantastique! Un royaume! Royaume démocratique de Curland. Ils ont même fait un film au cinéma, rappelle-toi, Adélaïde, reine de Curland. Ah oui, tu sais, elle rencontre ce prince pendant la retraite de Russie. Il allait être mangé par les loups, elle le sauve, il l'épouse. Ah, c'est elle qui a fait pousser le lilas en Curlande. Oui. Et à la fin, tous les Curlandais parlent français pour lui faire plaisir. Voilà. Et Adélaïde est née à Avignon. Voilà. Et c'est comme ça que Cobain... Maud. Prodec. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Thelma veut dire que quand on a fini l'université, on vient faire le pèlerinage à Avignon. Mais pourquoi il ne viendrait pas chez Christine? Venez camper chez Christine. Allez, vous voulez. On a démonté la roue. Il demande si on veut camper chez Christine. Christine Foncelette, notre tante. Elle habite là, en face, dans le fort. Mais on ne dérangera pas? Oh non! Je vais téléphoner à Christine. Attendez. Oh non, c'est oui. Vous verrez, c'est le plus bel endroit du monde. Et Christine, la plus gentille femme. A thing of beauty is a joy forever. Vous êtes poète, mon bon Napoléon. Le service de madame et la fréquentation d'une société d'élite m'ont permis d'ouvrir les yeux sur la vraie beauté. J'ai vu des choses que sans madame, je n'aurais jamais vues. Pourquoi avez-vous vu mon fils, Napoléon? Monsieur fouille, madame. Encore? Oui, madame, mais cette fois, ça a l'air sérieux. Monsieur fouille depuis le déjeuner. Pas même une sieste. De dessous mon olivier où je lisais le Times, madame, je le voyais remuer inlassablement la glèbe. Gratter sans relâche le sol ingrat desséché par l'ardent soleil. Les petits l'assistaient accroupis dans la poussière. Sans chapeau. Sans chapeau. Sans chapeau, madame. Il transporte de la terre dedans. Aussi, craignant l'insolation, j'ai pris sur moi de les soustraire à monsieur et de les installer sous les pins.
à l'ombre desquels il repose maintenant comme deux chérubins. Merci, Napoléon. Mais monsieur, lui, insensible à la morsure du soleil, fouille, madame. Et c'est un beau spectacle. On se croirait dans la vallée des rois. Monsieur, sans l'antiquité toute proche, il a flair. Il m'a dit, Napoléon, c'est le grand jour. Ah, s'il pouvait nous sortir un bel Auguste. Un bel Auguste? Oui, ou une Vénus. Quelques belles statues rentables qu'on céderait au Louvre. Pour offrir un toit neuf à notre pauvre abbaye. Hélas. Eh oui. Je dirais s'il te voyait au Quai d'Orsay. Assieds-toi. Tu viens m'aider? Non, j'ai des problèmes. Des problèmes? Oui, mes buis. Mes buis sont aussi, il faudrait de l'eau. Et l'eau coûte cher. Je n'ai plus de sous. Tu l'aimes, hein, ton jardin? J'y ai tous mes souvenirs. Mais aujourd'hui, je le trouve un peu grand pour moi. J'aimerais... Monsieur! Monsieur! C'est un télégramme! Oh, que je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais que tu te maries. Tu tiens tellement à te débarrasser de moi. Je voudrais avoir des petits-enfants. Bien sûr, ma chérie. Combien? C'est un télégramme pour monsieur. Ouvrez-le, Napoléon, j'ai les mains sales. Bien, monsieur. Paris, 12h45. Et il est presque 5h. Je suis sûr que le gamin a fait la sieste avec le télégramme dans sa poche. Serait Fort Hélico, 17h35. Stop. Repartiront Rome, 17h48. Stop. Valise prête, smoking, Carole. Caroline, elle était à New York hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caroline va débarquer ici en hélicoptère d'un instant à l'autre et qu'elle me dira, allez François, en route, on va manger à Rome. À Rome? Quelle jolie idée. Mais maman, je ne peux pas partir, ma statue est là, d'un instant à l'autre, elle peut apparaître. Quelle statue? Son Auguste, madame. Non, pas un Auguste, Napoléon. Une femme. Une femme dont je viens de trouver la petite main. Une main de femme, monsieur? Signe de mariage. La dame n'est pas loin. Le téléphone, regarde. Quelle après-midi! Pauvre Caroline. Tu lui en veux beaucoup d'être devenue riche. Pauvre Caroline, c'est de l'ironie, hein? Tu aimais bien la petite Caroline Becker quand elle était simple danseuse dans les ballets Van Lesley. Mais j'aime beaucoup Caroline. Ça avait été la même chose pour Nicole. Quand vous faisiez des fouilles tous les deux au Moyen-Orient, tout allait bien. Et puis quand elle est devenue... On parle de Caroline ou de Nicole? On parle de toi, mon chéri. Madame! Ce n'est pas très clair. C'est votre nom Fabien qui téléphone d'en bas. Enfin, d'Avignon, il dit qu'ils ont trouvé des curans... curans. Oh, je ne sais plus, moi. Enfin, bref, ils ont trouvé des étrangers crevés sur le quai. Quelle horreur! Oui, et ils demandent s'ils peuvent les ramener couchés dans des sacs. Quoi? Eh oui! Seulement, avant, c'est carangué, là. Ils doivent aller porter des fleurs à la reine d'Avignon. Ah, ce sont des curlandais. Ça y est, c'est d'accord, Christine nous attend. Oh oh, merci. Alors, on va vous faire l'escorte des motards. Oui, je vais avec vous. Moi aussi. Oh, regardez, un hélicoptère. Pas prêt? Oh, bonjour, Carole. Vous savez l'heure qu'il est? Non, aucune idée. 37, mademoiselle. Nous embarquons dans 6 minutes. Ah, vous peut-être, mais pas moi. Comment, vous ne venez pas? Non. Vous ne venez pas? Non. Et pourquoi? Je
Je ne suis pas un colis dont on dispose à son gré. Oui, il suffit que je propose quelque chose pour que vous refusiez. Mais vous ne proposez jamais rien, vous décidez. La vie avec vous est une suite d'ultimatums. En tant que diplomate, je n'aime pas les ultimatums. Vous appelez ça un ultimatum? Je suis submergée de travail. Je dois courir d'un bout à l'autre du monde. Au milieu de tout ça, je me complique la vie pour venir vous voir. Je viens vous chercher à domicile et vous me réservez un accueil. Vous avez bien reçu mon télégramme? Ah, parlons-en de ce télégramme. Où est-il déjà? Petit chef-d'œuvre de tendresse. Voilà, repartirons Rome, 17h48. Stop. Valise prête, smoking, Carole. Vous n'avez pas mis love? Non, je n'ai pas mis love. 38, mademoiselle. Il n'a pas mis love. François, j'ai un rendez-vous très important ce soir à Rome et demain je repars pour l'Amérique. Et moi j'ai rendez-vous ici avec une statue. Je veux donc passer cette soirée avec vous. Avec grand plaisir. Restez ici, nous fouillerons tous les deux. Que je fouille? Vous voulez que je fouille? Nice cup of tea, Miss Carole. Merci, Napoléon. Nice cup of tea, Horatio. No, 39, Miss Carole. Nice cup of tea, madame. Vous êtes susceptible, orgueilleux, entêté. Moi? Ah, c'est bien simple, je suis impossible. Demandez à ma maman. Ma pauvre maman. J'ai des idées fixes, je fouille, je grogne, je parle tout seul, je réponds pas, je suis sauvage, distrait, bourru, bizarre. Et je me salis, n'est-ce pas, Napoléon? Nice cup of tea, monsieur. With pleasure, Napoléon. Bon, eh bien, puisque vous n'avez pas l'âge de raison, je vais régler cela directement avec votre mère. Ma chère Christine, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fils François. Oh, ma chérie, c'est un grand... Maman? C'est un grand garçon, maintenant. Il peut prendre ses décisions tout seul. Caroline, écoutez-moi. Non, ma chérie, vous supporterez ma main noire sur votre bras parfumé et vous m'écouterez. Si vous m'aimiez, Caroline, vous gratteriez le sol de vos ongles. Vous creuseriez la terre avec vos dents. Vraiment? Et moi, j'abandonnerais la statue pour filer à Rome avec vous, malgré le télégramme. Faut voir les choses en face, Caroline. J'ai été attiré par une petite danseuse de ballet Van Essling. Timide, appliquée, tendre. Vous vous souvenez d'elle? Oui. Oui, moi aussi. Et vous êtes devenue Caroline Van Essling, fabuleuse héritière, directrice de ballet, mécène internationale, organisée, sire d'elle, infaillible, presque la NASA. Mais moi, je ne veux pas être Apollo 13, ni 14, ni 15. Je ne veux pas être télécommandée. C'est tout. Je prendrai bien un peu de thé. Tout de suite, Miss Carole! Garde pas au domicile. Merci. Nous débordons, Miss Carole. Je vais mettre en route. Adieu, Fonsalette. Je vous aime beaucoup. Moi aussi, Van Essling. Je vous raccompagne? Vrai? Oh, j'apprécie. Oh, je sens que je vais être féroce dans mes discussions ce soir. Bien, moi, Caroline. Oui, moi aussi. C'est une fille épatante. Mais pas pour moi. Bonsoir, Pantruse, maman. Bien, maintenant que rien ne vient de se mettre entre ma statue et moi. Allez, les fêles là, en route. Je ne dînerai pas ce soir. Ni non plus, ni non plus. Tu marieras jamais, Napoléon. That is the question, madame.
dit, monsieur Pipre, la prochaine fois que votre animal vient me gâter mon pistou, je tire. Je tire, monsieur Pifre. Chut, papy, c'est la minute de silence. Qu'est-ce que vous dites? C'est la minute de silence. Chut, c'est la... pas comprendre le soir. C'est la minute de silence, Marie. Chut, c'est la minute de silence. Bravo. Und Adelaide. Und Adelaide. Und Adelaide. Und Adelaide. J'adore cette cérémonie. Ça me rend tout émue. Allez, maintenant, tout le monde au fort. Oui, c'est ça, l'assaut. Oui, l'assaut. Moi, je rentre avec eux. Est-ce que vous êtes impressionnant quand vous faites ra, ra, ra? Quand j'ai rien à dire, je me tais. Raconte-nous une histoire. On travaille mieux quand tu parles. On est comme les vaches. Elles donnent plus de lait si on leur joue la musique. Oh, les vaches. Chouette! Il était une fois un jeune chasseur, ici même, sur ce rocher, il y a très très longtemps. Ce jeune chasseur poursuivait un soir à la tombée du jour une biche. Une biche qui n'était autre que la déesse Diane. Mais le jeune chasseur l'ignorait, il la suivait aveuglément, passionnément, comme tous les gibiers que nous suivons, quand les dieux nous mènent.
Et alors? Quand le chasseur vit tant de larmes dans les yeux de la biche, il eut pitié d'elle. Il abaissa son arc et lui dit, « Va, je t'épargne. » Et alors? Et alors, tout à coup, sous les yeux du chasseur ébloui, dans la lumière du soleil déclinant, la biche prit la forme d'une longue jeune fille qui se tenait debout entre les oliviers. Un instant saisi de stupeur, il lui dit, « Ô toi que j'ai poursuivi si farouchement que mon cœur en bat encore, es-tu mortelle? Es-tu déesse ?»« Je suis mortelle, monsieur. » C'est bien dommage, mademoiselle. Vous êtes égarée, peut-être? Je suis invitée, monsieur, par la dame. Ah, vous êtes curlandaise. J'aurais dû m'en douter à votre délicieux accent. Mais je n'ai pas d'accent. Mon professeur de gymnase m'a dit que je n'avais aucun accent. J'ai obtenu mon gymnase de français avec la mention Optimum. Qu'est-ce que c'est, une mention? Et Optimum, c'est quoi? Ça veut dire très, très bien. Mais je vous dérange peut-être. Non, non, entrez, je vous en prie. Merci. Soyez la bienvenue. Comme ils sont bien élevés, vos enfants. Et beaux. Oui, ils sont beaux en effet, mais ce ne sont pas mes enfants. Ce sont des petits esclaves que j'ai achetés au marché et que je fouette pour faire accélérer le travail, n'est-ce pas, mes chéris? Oh oui, ils nous battent comme aux pyramides pour avoir plus de rendement. Les pâtés? Pas assez. Ah, vous plaisantiez. Ça m'arrive. Vous êtes français? Oui, mon accent m'a trahi. Et méchant en plus. Ce n'est pas vrai, il est très gentil, mon cousin. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas méchant? Bah, ben voyez, je fouille. C'est une maladie que j'ai contractée lorsque j'étais en poste au Moyen-Orient. Oui, quand je ne fouille pas, je suis diplomate. Et qu'est-ce que vous fouillez? Ben, la terre, vous voyez. Tenez. Regardez ce que je viens de trouver. Une main? Oui. La main d'une dame qui doit dormir là, par ici, depuis 2000 ans, peut-être, et avec qui j'ai rendez-vous. Une dame pour laquelle, d'ailleurs, je ne dînerai pas ce soir, car je compte bien la mettre au jour cette nuit. C'est l'esprit français. Pardon? La mettre au jour cette nuit, c'est spirituel. Ah oui, c'est surtout involontaire. Mais spirituel. C'est l'heure du dîner, je ne vais pas faire attendre. Merci. Je suis contente de vous avoir connue. Êtes-vous mieux pour votre dame? Madame. La dame qui vous attend.